Voici le guide complet des défis de la semaine 6 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de détruire des drones d'approvisionnement à des points chauds. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des points chauds. Et les points chauds, c'est tout simplement le nom des villes écrit en jaune. Donc par exemple ici, Snoopy Step, vous pouvez voir que le nom de la ville est écrit en jaune. Donc c'est un point chaud. Alors c'est possible que si vous lancez une partie et qu'il n'y ait pas de nom de ville écrit en jaune, c'est possible qu'il n'y ait pas de point chaud. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement relancer une partie jusqu'à temps qu'un nom de ville soit écrit en jaune pour faire apparaître un point chaud. Ensuite, quand vous êtes à un point chaud, là vous allez devoir vous procurer d'une arme, voilà, n'importe quelle arme, et vous allez devoir détruire des drones d'approvisionnement. Donc c'est tout simplement ce que vous voyez devant moi. Et pour terminer le défi, vous allez devoir en détruire 5 au total. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller un coffre des enfers à Grim Gates et partir sans subir de dégâts. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à Grim Gates, donc qui se trouve aux enfers, hein, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous allez devoir trouver un coffre des enfers. Donc pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors normalement, les emplacements sont fixes parce que les coffres des enfers apparaissent à tous les coups, dans chaque partie. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre au même emplacement que moi ou trouver un autre coffre des enfers. Donc moi, je me trouve juste ici. Et vous allez devoir ouvrir ce coffre. Dès que vous avez ouvert ce coffre, là, vous faites attention à ne pas prendre des dégâts de chute. Donc là, si je tombe, c'est bon, parfait. Ne prenez surtout pas de dégâts de chute et essayez de vous enfuir le plus vite possible de Grim Gates sans subir de dégâts. Donc servez-vous de l'effet de l'eau pour vous barrer le plus vite possible. Et normalement, dès que vous serez sorti de la ville de Grim Gates, dès que vous aurez rejoint Restored Rills par exemple, là normalement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme dotée d'une optique modifiée. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme avec un viseur, point rouge ou un autre viseur. Les viseurs sur l'arme, en fait, c'est des optiques. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une arme avec une optique, donc avec un viseur. Ou alors, vous pouvez vous rendre dans un établi de modification qui apparaissent à partir de la troisième tempête. Donc par exemple, regardez, là il y en a un. Donc ils sont indiqués par ce petit logo là. Il y en a un peu tout autour de la map qui sont disponibles uniquement à partir de la troisième tempête. Donc quand vous êtes à cet emplacement là, vous pouvez tout simplement aller dans les optiques. Voilà, c'est la première catégorie. Et vous mettez n'importe quelle optique que vous voulez. Donc si vous voulez mettre un viseur point rouge, vous pouvez, ça coûte 75 lingots d'or. Et quand vous avez votre viseur laser, enfin votre viseur, là ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts. Donc je vais chercher un adversaire. Ok, donc parfait, il y a des adversaires qui se battent en face de moi. Donc maintenant, je prends mon arme avec mon viseur et j'inflige des dégâts aux adversaires. Alors, il faut savoir que ça fonctionne aussi contre des bots. Donc si vous trouvez des bots, n'hésitez pas à réaliser le défi avec eux. Et pour terminer l'entièreté du défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 500 de dégâts avec un viseur optique. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des joueurs avec une grenade à onde de choc. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste au-dessus de Rankless Highway. À cet emplacement-là, il y a un personnage que vous allez pouvoir parler et lui acheter justement des grenades à onde de choc. Donc vous lui parlez à Clara et elle va vous vendre les grenades à onde de choc pour 200 lingots d'or. Ensuite, vous pouvez en acheter 8 stacks. Donc moi je vais en acheter que 2 pour vous montrer dans l'exemple. Et ce que vous allez devoir faire après avoir acheté ces grenades à onde de choc, c'est de toucher 4 joueurs avec les grenades à onde de choc. Donc peut-être que ça fonctionne sur le même personnage, sur le même adversaire, mais si ça ne fonctionne pas sur un seul adversaire, vous allez devoir toucher 4 adversaires différents. Et dès que ce sera fait, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'acheter des soins à un personnage ou dans un distributeur de soins. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 2 solutions. Soit vous vous rendez ici à côté du mont Olympe et vous parlez à ce personnage qui justement vend du soin. Après, il y a d'autres personnages à d'autres emplacements. Mais moi, je vous conseille de venir ici, ce sera plus simple. Ou alors, vous cherchez un distributeur automatique de soins. Donc ensuite, quand vous êtes devant un distributeur automatique de soins ou un personnage qui vous vend du soin, là, vous lui achetez le soin qu'il vend. Par exemple, ici, c'est de l'aspergeur du brave. Donc vous lui en achetez un stack et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi.
Le prochain défi va vous demander de modifier des armes à un établi de modification. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver les bunkers comme il est en face de moi. Mais ces bunkers ne s'ouvriront que à partir de la troisième tempête. Donc là, la troisième tempête vient d'arriver. Et logiquement, les bunkers vont être disponibles. Donc là, vous pouvez voir que là, il y a des chaînes. Donc je pense que quand il y a des chaînes, le bunker ne s'ouvrira pas dans cette partie. Par contre, vous pouvez voir qu'à d'autres emplacements, donc par exemple ici, il y a un bunker qui s'est ouvert parce qu'il y a le petit logo du bunker avec le point d'exclamation. Donc ce que je vais devoir faire, c'est de me rendre à l'un de ces bunkers pour ensuite pouvoir rentrer dedans et aller modifier mon arme à un établi de modification. Donc là, je vais me rendre directement au bunker le plus proche qui est tout en haut. Donc c'est assez loin, mais c'est pas grave. Ok, donc je suis arrivé près du bunker. Alors j'ai l'impression que il y a des bunkers avec une petite lampe comme ça, au-dessus du bunker. Et quand il y a cette lampe, ça veut dire que le bunker va s'ouvrir pendant la partie. S'il y a des chaînes et qu'il n'y a pas la lampe, je pense que le bunker ne s'ouvrira pas. Donc quand le bunker est ouvert, là ce que vous allez faire, c'est tout simplement rentrer dedans et ensuite aller modifier votre arme à un établi de modification. Donc il faut savoir que pour réaliser le défi, vous allez devoir modifier 4 armes au total. Donc je ne sais pas si vous pouvez modifier 4 fois la même arme. Par exemple, vous mettez un viseur point rouge, ensuite vous mettez un viseur holo. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais si ça ne fonctionne pas, vous serez obligé de modifier 4 armes. Et logiquement, vous n'avez besoin que de mettre un seul équipement sur chacune des armes que vous voulez modifier. Donc dès que vous aurez modifié 4 armes, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Crash.